Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Dying Light 2. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois c'est laissé, ouais, super haut sur une tour, c'est incroyable. Mais bon, ce qu'on doit faire c'est se diriger là-bas parce que on a une deuxième antenne à aller faire de quoi avec. Alors on y va les amis. Je crois que je vais mourir hein, si je continue comme ça parce que, voyons donc, c'est super loin. Est-ce que je peux le faire one shot selon vous? Le colonel semble évacuer les camps renégats. D'abord l'électricité. Puis les raids dans la boucle centrale. Et maintenant ça. On dirait que Williams ne veut pas se battre, pas plus que nous. Ou il a vraiment l'intention de fermer les écluses et de renvoyer les produits chimiques dans la ville. Mais sa forteresse serait également détruite. Donc cette évacuation n'aurait pas de sens. On doit étendre la portée pour en savoir plus. Ok, c'est bon. Pour étendre la portée, il faut que j'aille vers l'antenne. Et on dirait que j'ai de l'endurance au max. Non, je suis sur le point de tomber. J'arrive pas à aller vers la droite. J'essaie d'aller vers la droite. On dirait qu'il y a une force invisible qui me... comme qui me pousse à aller ici. Je sais pas, c'était vraiment bizarre, mais... Oh, my God, please, can I do it? J'ai bientôt plus d'endurance. Oh! I did it! Oh, oh, what the... Oh, yo, je viens tout juste d'arriver. J'ai plus d'endurance, je peux pas me battre, bro. Oh, my God! Tranquille, tranquille. Attends, vous savez quoi? On a assez rigolé. Oh my God! Okay, attendez, je vais utiliser ceci, c'est bon contre les humains. Oh, oh, oh. Spin attack! Ok, j'ai complètement foiré mon coup, donnez-moi une seconde. Spin attack! Voilà, ces bonhommes ils sont juste chanceux que j'avais plus d'endurance lorsque je suis venu ici, man. Oh my God! Ok, je me suis presque fait avoir. Il y a un gars avec son arc, attendez une seconde. Attends, mais... Regardez. Oh, j'ai essayé de faire un jump kick et ça a pas trop bien marché. Oh, parce que j'ai plus d'endurance. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais encore vivant. Vous n'êtes plus de ce monde, évidemment. Oh, wow, j'étais stressé parce qu'il y a un archer ici et ça. Et, où suis-je? Ah, ok, je suis pas si loin de l'endroit où je dois me diriger, on dirait bien. Oh, je suis tombé de là, ou quelque chose comme ça, c'est ça? Si je comprends bien. Attendez. Est-ce que je peux passer tranquille? Est-ce que je peux le faire? Ah, bah oui, je peux le faire, regardez ça. Ok, là, je reviens en force avec beaucoup d'endurance, je n'ai plus peur, les amis. Voilà, perfecto. Là, vous savez quoi? Le petit archer, là. Comment elle revient? Je vois ta tête, mais reviens! Les gardiens, c'est qui cette petite fouine? Wouah! Voilà! Il est possédé ou quoi? Bam! Attends! Oh! Voilà! C'est ce que je voulais faire à l'archer tout à l'heure et j'ai complètement foiré mon coup. Mais bon, vous savez, des erreurs ça arrive, c'est tout à fait normal. C'est Tigidou quand même, non? Donc, il n'y avait pas un autre doute que j'ai détruit ici? Bon, je vois pas son corps, mais c'est pas grave. Donc, on va aller ouvrir ceci. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Gants de sniper et ration de combat. Attends. Regardez, regardez. Ok, je sais pas pourquoi ça a bugué là, mais bon. What the hell? Ok, technologie militaire. Donc, utilisez la technologie militaire pour améliorer vos outils. Allez chez un maître artisan pour améliorer vos outils. Oh, c'est intéressant ça, les poteaux. Je peux peut-être améliorer ma parapente parce que d'habitude, là, quand je vole, là, je suis lent. Mais plane plutôt. Franck, j'ai activé la deuxième antenne. Les renégats étaient là, sur le toit. En parlant de renégats, j'entends une conversation. Rendez-vous, boulevard Garrison. Les anciens bureaux. Wolsey sera pour nous donner les ordres. Rien de neuf à propos du Pélin? Non, mais il a trouvé quelqu'un qui l'aide à accéder à la base de données. Si vous apprenez quelque chose sur ce foutu Pélin, prévenez-moi. Continue à chercher. Terminé. Franck, je dois accéder à l'endroit où ils sont. Tu les as entendus, Aiden. Waltz te cherche. Il a un moyen d'accéder à la base de données. Il a trouvé quelqu'un. Il est trop fort pour toi. Et tu vas lui foncer droit dedans. Si c'est la seule façon de connaître la vérité, alors qu'il en soit ainsi. Têtu, gamin. Têtu comme la one. Je te contacterai. Et c'est une très bonne chose pour être honnête avec vous.
Alright. Donc, objectif mise à jour, il faut aller là-bas à 300 mètres. Est-ce que je peux faire un petit voyage rapide au pesto? Mais avant tout, donnez-moi une seconde. Je vois les équipements que j'ai eu de niveau 4. Donc, ça donne de l'expérience de parcours, ça. Ouais, parce qu'ici, là, je gagne aucune expérience. Alors, je vais prendre ça. Dès que tu me donnes de l'expérience, moi, je te prends. Voyons donc. Je m'en fous des autres stats. XP de combat, 1.5%. Ah, moi, je te prends. Let's go, man. Voyons donc. Et ici, oh, wow, je passe d'un pantalon au niveau 2 à niveau 4. Mais, y a pas d'armure là-dedans. XP de parcours, 5.4%. Wow! Attends, ça, c'est 1.2%. Mais il y a XP de combat 3.8%. Mais bon, yo, let's go. On va prendre ça juste pour le plaisir, pourquoi pas. On va changer un peu notre look. Et là, ah ben c'est vrai, j'ai complètement oublié de regarder si je pouvais faire un petit voyage rapide. Donc, laissez-moi voir quelque chose. C'est vrai, on peut améliorer nos trucs à cause du truc que je viens de prendre. Ok, c'était vraiment pas clair ce que j'ai dit là, mais je crois que vous avez compris. Alors, pour aller là, attends, le fish eye. Y a-t-il un artisan au fish eye? Je vois repos, plan du joueur, magasin, maître artisan. Oh! Ok, attendez, attendez. Allons au fish eye. C'est là-bas? Est-ce que... J'aurais dû mettre un marqueur. Je suis vraiment désolé. Attendez une seconde. Voilà, suivre. Ah, c'est vraiment là-bas. Ok, c'est pas loin parce que ça va me permettre d'améliorer mon parapente. Et avec un parapente amélioré, qu'est-ce que je peux faire? Voler plus rapide. Et si je vole plus rapide... Ben, je ne crève pas. Ouais, en gros, c'est ça. Ok, on y va. Attendez. Non! Non, 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 je voulais pas utiliser ça, bro! Oh, comment? En fait, c'était une très bonne chose. Tout s'est passé comme prévu. Ouais. Ok, c'est bon. Faut juste que je trouve le maître artisano amico. Où es-tu, mon frère? On va monter par là. Je sais pas s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ça le problème. Haut-parleur, d'accord, tata. Peut-être il y a à l'extérieur, hein, parce que il me semble que quand j'allais à l'intérieur, je ne voyais rien. Maître artisan, où es-tu? Ok, vous savez quoi, on va aller à l'intérieur, vite fait, bien fait. Hello? Guys? Maître artisan, où es-tu? Peut-être qu'ils ne sont pas les tueurs que vous pensez. Oh, oh, oh! Attends, sauf qu'ils le sont bel et bien. Toi, parlez! Hey! C'est mon ange gardien. Ange gardien? Si tu ne m'avais pas aidé avec les renégats, j'aurais plus de boulot. Ou pire encore. C'est plutôt grâce à Matt. Hey, sois pas modeste. C'est la maison qui invite. Je m'appelle Nicolas. Ah, je dois y aller. Je dois y aller. Attends. Tu cherches à te faire un peu de fric? Et qu'est-ce que je devrais faire? Rien de bien compliqué. Il y a une station de métro sous le fichaille. Il y avait des lampes UV dans le métro qui tenaient les infectés éloignés. Mais avec les tunnels et la station infestée, elles ont cessé de fonctionner. Tu veux que je les allume? Donc tu veux que moi j'aille allumer les lampes? Ouais, va au local électrique. Pour autant qu'on sache, ça pourrait être un fusible qui a sauté. Si c'est le cas, tu n'as qu'à réinitialiser l'alimentation principale. Avant que tu partes, j'ai un petit truc qui pourra t'aider. Une spécialité de la maison, garantie pour réchauffer le ventre de ses mordeurs. Un peu de miaule artisanale, une bouteille et un vieux chiffon. Un mélange explosif. Mais tu peux aussi te faufiler entre les mordeurs, si tu veux pas faire trop de bruit. De toute façon, ils vont griller dès que t'allumeras les UV. Et comme ça, tu gaspilleras pas une bonne bouteille. D'accord, je vais m'en occuper. Merci, c'est la maison qui offre, c'est ça. Mais moi, je voulais juste faire du troc avec toi, mon ami. Après la tombée de la nuit. Ok, c'est une nouvelle quête annexe. Rempli de monstres. Ouais, merci. Je vous souhaite bonne chance. Yeah, thank you. Ok, mais moi qui croyais que je pouvais faire du truc avec toi, je me suis complètement trompé. Alors, laissez-moi une seconde. Ben, donnez-moi une seconde plutôt. On va zoomer un peu. Ah, voilà, on va suivre le maître artisan. Et là, est-ce que vous voyez son icône? Parce que moi, je vois pas son icône. Hello, maître artisan? Hey, oh, il y a tellement d'icônes sur la map que je sais même pas où ce que t'es, bro, man. Ok. Oh, il est là. D'accord. Si vous l'aviez vu, là, vous êtes un boss, man. Des prix si bas que vous serez plus... Oh! Ok, je devrais peut-être acheter ces trucs ou même des flèches de ce genre, mais... Non, it's fine. Donc, améliorer torche UV. Ça, c'est quelque chose que j'utilise quasiment jamais, mais... Oh, il faut deux technologies! Il en faut pas qu'un seul, il en faut deux! Oh my god! Bro, man! Bon, ben, yo, je vais améliorer le cocktail Molotov. Ça va m'aider dans le futur. Let's go! Donc, on va améliorer ça. Et, oh, je vais l'améliorer encore. Et,
Ah, je peux plus l'améliorer, voyons donc. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais améliorer d'autre? Booster de régénération? Non, je peux pas. Bon, écoutez, le seul truc que je peux améliorer, c'est une grenade maison main. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. En tout cas, j'ai assez glandé pour être honnête avec vous. On va se diriger à Destination. Et il n'y a pas d'endroit où ce que je pourrais faire de voyage rapide, malheureusement. Alors, on va marcher tranquillou, relaxo. On n'a pas vraiment le choix. Bon, mais on dirait qu'il faut que j'aille tout en haut. Alors, on y va. Il faut faire ça comme ça, selon moi. Attendez une seconde. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Je crois pas que j'ai réussi mon coup. Ah, ben oui, j'ai réussi mon coup. Qu'est-ce que je dis là? Voyons donc. Wow! Bienvenue dans mon joli bureau! Ah, j'ai un infecté là-bas. Ok, c'est bon. Donc, il faut que j'aille par là. J'avais pas vu ça, malheureusement. Oh, attends. Fouillons ceci. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Oh! Vous avez un nouveau message. Désolé, je voulais fouiller ceci. Voilà, voilà. Donc, y a-t-il d'autres choses à fouiller? Bon, je ne crois pas. Allez, on y va. Ouh, look at this! Une jolie note que je vais jamais lire. Oh, je la sens pas celle-là, mec, bro! Ouh, qui s'est fait piquer ici? Ah, pauvre lui, man! Alright! Tu vois, Waltz avait raison. Ces connards nous avaient mis sur écoute. D'abord lui, et ensuite on récupérera l'employé du GRE au vieux ville d'or. Et le boss sera aux anges. Où est Waltz? Waltz? Pas besoin de Waltz pour traiter avec toi. Ah, ce bon vieux Frank, tellement naïf, avertissant les gens, parlant beaucoup trop. Chopez-le! Oh, 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 you wanna fight? Yo, vous savez pas ce que j'ai avec moi? Oh, attendez une seconde, j'ai une cocktail molotov juste pour vous! Brûlez! Ah, ok, attendez une seconde. Je sais pas terminer, j'ai une tonne de trucs avec moi. J'ai des grenades maison par-ci par-là, on va les gaspiller. Et oui, j'ai bien dit gaspiller. Let's go! Oh, attendez, j'ai gardé ce truc juste pour vous, les pépitos! Et c'est pas terminé parce que j'ai... Bon, dès lors, ça va rien faire pour être honnête avec vous. J'ai des couteaux! Oh, deux cocktails Molotov! J'en ai 7 ici! Oh my god, vous savez déjà qu'est-ce que je vais faire. Mais bon, je vais aller les couteauiller tout d'abord. Oh! Je m'appelle Dan Dutochan! Attendez! Brûlez, les amis! Sortez les Big Boss! Je n'ai pas peur de toi, Big Boss! Ok, je vais vous envoyer quelque chose. J'ai spammé ça comme ça pour aucune raison. C'était juste pour le plaisir, là, mais... Oui! Pourquoi me battre contre eux? Quand je peux laisser les éléments de la nature faire le boulot, hein? Oh! Parade parfait, bro! Attends. Avant qu'on ait le j'ai combattu les gens plus effrayants que toi! T'as vraiment dit ça, mon frère? Ça, c'est bon pour les. Contre les humains! Oh! Attends. Brother! Décapitation ultime, mon ami! Vous n'êtes pas sérieux! Avant ceux qui allaient. Ok, vous savez quoi? Ah, j'ai plus rien avec moi, j'ai tout gaspillé. Mais n'oubliez pas, j'ai plus de ferraille. J'ai amélioré ceci, mais j'ai plus de ferraille. Ok, à voir si j'arrête pas à gaspiller toutes mes affaires comme ça. J'ai gaspillé mes armes et tout en pensant que je pouvais en construire une tonne. Rencontre ratée? C'est quoi cette affaire de rencontre ratée? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça fait pas partie du jeu cette affaire là? Yo, j'avais encore beaucoup de vie, je comprends pas. Hein? Quelle rencontre ratée? Hello? Bon, écoutez, I don't know, bro. Est-ce que ça fait partie du jeu ou pas? Est-ce que je t'ai pas supposé tomber une... What? I don't know. Honnêtement, I don't know. J'avais encore beaucoup de vie lorsque je suis tombé à terre, alors. Hayden. Hayden. Tu vas bien? Je
pense que oui. Ouais, Walls n'était pas là. Et ils savent qu'on les espionne. Je sais. Tu sais ? Quelqu'un a essayé de me prévenir. Mais l'avertissement est arrivé trop tard. T'es sûr que tu vas bien ? Ouais, je... Mon infection s'est réveillée. Les renégats parlaient d'un employé du GRE au vieux Vildor. Walls le cherche aussi. Un ancien employé du GRE au vieux Vildor ? Je vais m'en occuper. Qui a essayé de te prévenir ? Ben, c'est la partie la plus étrange. C'était Hakon. Il veut te rencontrer. Je savais pas que vous vous étiez rencontrés tous les deux. Autre chose à savoir ? C'est... une longue histoire. Pourquoi ça me surprend pas ? Il avait pas quitté la ville ? Eh ben, il est toujours là. Et il t'attendra à l'église de l'île de Saint-Paul. Il a des infos sur Walls. Et... peut-être qu'il sait quelque chose sur la One aussi. Ok, je vais aller rencontrer Hakon, mon vieux frère. Je vais rencontrer Hakon. Toi, essaie de découvrir ce qui est arrivé à la One. Rappelle-toi, il t'écoute aussi. Oui, Aiden. Sois prudent. Qui sait ce que Hakon prépare ? Je retourne au Fisheye. Bonne chance. Moi et Hakon, on était supposés s'installer au bord de la plage, dans une nouvelle maison, loin de tous ces bonhommes, des foufuriers et tout. Mais pourquoi on m'a dit que j'ai fait la rencontre ? Est-ce que c'est pour une autre quête que je savais même pas que j'avais ou quelque chose ? J'ai vraiment aucune idée. Ne me demandez pas ce qui se passe. I don't know, man. Alright, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok. Ouais, merci pour tous ces trucs que j'aurais jamais besoin. Oh, 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 what the hell ? Il y a beaucoup de choses ici, bro. Salut ça ? Wow! Donnez-moi ces couteaux de jet, man! Et c'est... Oh my god! Il y a beaucoup de choses ici aussi. Wow! What? Canette de coke? Wow! Ok, j'accepte, man. Pas. Ok, je crois que j'ai tout fouillé, hein? Bon, il y a juste quelques bouteilles par-ci par-là, là, mais... Bon, ce n'est rien. Alors, pour sortir de là... faut que j'aille... Par là, voilà. Hey, oh, il y avait quelque chose ici, bro. Et ici aussi. Oh, de l'or. Vous avez eu ça, je suis riche, man. Ça fait du bien, hein. Oh, oui. La lumière, ça fait du bien, bro. Un nouveau message. Ok, je vais t'écouter, bro. Message 1 reçu. Laissez faire, je vais pas l'écouter. Ok. Ça y est. Pourquoi mon petit Franck est en train de se promener la nuit tout seul, il veut pas rester là avec moi? Oh! Ça va, bro? Je suis plus immunisé. Aide-moi. Ok, je lui ai donné quelque chose, on dirait bien. Hein? Il avait besoin de quelque chose, il était plus immunisé. Mais bon, c'est une expérience gratos, alors moi j'accepte ça. Alors il faut que j'aille là-bas. Est-ce que j'ai une petite téléportation rapide au presto que je puisse faire? Mais avant tout, laissez-moi... Ah, c'est vrai, je peux rien... Je peux équiper ceci, mais c'est pas comme si c'est quelque chose que je vais utiliser. Non. Faut que j'aille jusque là-bas. Ouais, pourquoi c'est tout mauve, yo? Ça fait peur, bro. Attends. Est-ce que je suis obligé de me promener pendant la nuit? Ça va quoi? Ça va être amusant. On devrait attendre qu'un bonhomme hurle et puis je me fais poursuivre. Ça va être tellement le fun. Regardez ça. Hurle! Ah! Courez! Pour se commencer! Oh, attends, mais personne me poursuit, voyons donc. Conteneur d'inhibiteur. Ok, merci pour ce conteneur que je vais pas prendre. Yo, laissez-moi passer, bro! Wow! Guys! Ok, non, non, bande de fous furieux. Ouais, je peux voir qu'ils sont fous furieux pour vrai, hein. 200 mètres. Oh! Je suis passé ici juste pour faire ça. Il y a un bonhomme qui peut exploser. J'aimerais peut-être conserver un petit peu mon énergie, hein. Oh, nageons! Est-ce que ces bonhommes peuvent nager? Je crois pas qu'ils puissent nager, hein? Ok, voilà! Ah, je n'ai pas peur de vous! Vous pouvez penser, mais vous ne savez pas nager, vous pouvez pas manger! Nan. Ah, y a personne qui est là! Ok, c'est bon! Donc, on y va! La poursuite est déjà terminée! Moi qui croyais que ça allait être plus intense. Je me rappelle au début du jeu là. C'était tellement intense. J'avais rien comme équipement et tout. Tous les infectés me poursuivaient. Sur les toits et tout là. C'était fou, man. Mais bon, je suis devenu un Super Saiyan. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, on est bientôt arrivé à destination déjà. Ok, alright.
What up, boys? Par là? Parce que je suis dans le bon endroit? Pose-y, commencez! Pas par là! Non! Ok, non! Guys. Oh oh! J'ai pas envie de regarder en bas. Ah! Est-ce que j'ai fait la bonne chose, guys? Je vois déjà ce que je dois faire. Non! Oh, petit fou! Ça a l'air que c'est Tigidou. C'est un petit peu trop calme à mon goût. Franck, l'église est vide. De quoi tu parles? Akon n'est pas là, mais on dirait que les renégats ont campé ici. Les braises sont encore chaudes. Aiden? Pourquoi tu voulais me voir, Akon? Pourquoi pas? Ça fait un bail. On dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Au fait... Quoi, tu sais pas où elle est? Non. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un tue les hauts gradés de Williams, chacun d'un seul carreau d'arbalète. On dirait le MO de la One, non? Ok, pèlerin, on passe aux choses sérieuses. Je vois que Waltz te tient toujours en laisse. Assez de blabla, Aiden. Donne-moi la clé. Quoi? La clé du GRE, Aiden. Donne-la-moi. Dude, attends, allez à Con, tu sais que c'est trop important, tu ne l'auras pas sans te battre. Ah, oh, yo, c'était mon brother, je ne voulais... Non, je veux pas me battre contre lui, non. Il m'a sauvé la vie, n'oubliez pas, au début du jeu, sans lui, je serais dead, alors. Je veux pas me battre avec toi, Con. Dommage, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Je t'ai sauvé la vie au bazar. Ah, tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. On est quitte. Peu importe ce que tu penses, on n'est pas des amis. On l'a jamais été. Bon, donne-moi la clé. Tu sais que je peux pas faire ça. Prenez-lui cette putain de clé! Notre maison à la plage! Notre belle maison à la plage! Non! Oh, pourquoi tu fais ça, mon frère? Ok, on va utiliser ceci. Attrape! Wouah! Attends. Tranquille. Allez, petit fou furieux! Joué, tu crois pas? Oh, coupé en deux, oui. Attends, un petit jump kick, oui, non. Attends, tu vas pas être... Attends, toi aussi tu veux un jump kick, c'est ça? Oh. Attends. Lui aussi, il en veut un. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, perfecto. Ok, je crois que je devrais arrêter de niaiser comme ça, hein. Ouf, plus de masse, bro. Ok, lui il est dead. Pourquoi penser comme ça sur moi que t'as pas beaucoup de vie? Il fallait manger des plantes médicinales pour récupérer tes vies. Et attendez une seconde. Ils sont en train de se faire barbecue à longueur de journée. C'est le moment de les attaquer. Ok, Bradez, vous savez quoi? Je vais utiliser ceci. C'est la première fois que j'utilise quelque chose pour me régénérer autant les vies. Et puis c'est rapide. J'en ai 27 en tout. Yo, depuis le début du jeu, j'ai jamais utilisé les trucs là pour me régénérer les vies que j'en ai 27. Je sais pas c'est quoi le nom là, mais les trucs militaires, les trucs de soins militaires. Je vois que c'est rapide et je vois que ça récupère tout. Alors, waouh, je vais les économiser pour le dernier boss. Il y a bien ton aïe avant de mourir, mais je vais vous dire quelque chose, il s'est bien amusé le dude. Quoi? Attends, non. I can do it. Ça c'est à moi, bro. Ok, c'est qui le lanceur de flèches? Où es-tu? Ah, plutôt les lanceurs de flèches. I am coming, brothers! Attends. Ok, ça c'était très bizarre. Bon, mon arme est bientôt pétée, je veux l'utiliser au complet. Oh my god! Attends, on va utiliser ça encore une fois. Ok, lui est dead, hein? Attends. Non, je vais le couper en deux. Yo, j'aurais pu le couper en deux. Pourquoi c'était juste sa tête? Pourquoi ça l'a décapité? Non!
Oh my god, vous avez vu cette attaque? Insane. Yo, mon arme veut pas se péter. Je l'utilise parce que c'est fort contre les humains et tout, là, mais... Ok, attendez. L'autre est où? What the hell? Oh, il est en bas de moi, je pense. Est-ce que c'est ça? Ah, ben non, il est en avant. Parce que... Yo, ok. Le truc, là, qui me dit où sont mes amis, ça a comme bugué. Ça disait qu'il était autour de moi comme à 360 degrés. C'était fou. Bah! Bonne nuit, frérot. Ok, j'ai eu des baskets. Je me suis battu contre combien de renégats là? Insane! Attends. Tout ce que tu mérites! Bon, il a pas sorti la douleur là, mais masse. Oh, il y a un là! Prépare-toi! Yes! Prépare-toi, boss! Oh! Tranquille, relax! On va utiliser des couteaux! Voilà, t'as plus de bras, mon frère. Bonne nuit, Pepito. Ok. Akon, bro. Parlez à Akon. Pas mal. Pas mal, gamin. Yo, tu t'es fait une sacrée réputation dans ce trois. What the hell? Ok, mais je peux pas parler avec... Tu fais comme si de rien n'était. What? C'est ce que tu voulais? T'es vraiment prêt à me tuer pour cette clé, Akon? Il y a déjà eu tellement de morts. Tu peux pas arrêter de faire tourner la roue maintenant. Mais... t'as eu une chance de me tuer. De m'achever au bazar. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que t'en penses, gamin? Tu m'as promis de me faire sortir de la ville. On avait un deal. Mais tu m'as balancé. Et tu crois que Walls te laissera partir? Juste comme ça? Tu sais ce qu'il a fait à Dylan. À tous les autres. Ouais. Mais ils se sont tous mis sur son chemin. Dylan l'a trahi. Lucas ne voulait pas donner la clé, alors... Alors tu l'as assassiné? La clé et m'ont laissé passer pour sortir de la ville. Ah, ça me fait vraiment chier de devoir te tuer. Non! C'est toi qui me fais faire ça, gamin! Non! Oh mon dieu! Oh, God! Ma boy, non! Yo, tu devrais déjà être à terre. Regarde combien de fois je t'ai attaqué. Oh my god, il y a deux d'en haut, là. Je l'ai vu depuis tout à l'heure. Attends. Voilà, archer down. Je crois qu'il y en a un autre. Ok, attendez. Je crois que je dois utiliser ça. Je voulais utiliser ça pour le dernier boss. Ben, le garder pour le dernier boss. Mais Akon, pour moi, c'est comme un boss. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Attends. Tranquille. Non. Oh, est-ce que je l'ai eu à la fin? Dites-moi que je l'ai eu, le doux. Ah, je l'ai eu, alright. Il n'y a plus d'archer qui peut faire quoi que ce soit. Et maintenant, mon petit bonhomme, mon frère, je dois te donner une leçon. Méchant Akon! Dude, je peux pas essayer de te trahir si t'es en train de te battre contre moi, voyons donc. Et la pêche que... Ben, plutôt le kunai qui est dans la tête, hein. Ça fait pas mal, mon frère. Rapide. What the hell? C'est pas le moment de niaiser, frère! Faut que je te tue, gamin! Faut que je te tue, gamin! Hey, attendez, on va ouvrir notre inventaire, ça fige le jeu! Parce que je veux... Ah, c'est vrai, j'ai pris de ferraille. Faut que je loot le corps des gens, man! Bah! Oh, ça va faire mal, bro! Non! Ah, j'avais pas réalisé à quel point t'étais devenu fort! Non! Je l'ai même pas tué! Oh non! Ne me dis pas que je vais me transformer et le manger! Akon, t'es correct encore? Je t'ai pas mangé, hein? Oh non, quand je fais ça, là, vous savez ce que ça veut dire. Akon! Tu peux pas t'enfuir! Peut-être, mais tu veux pas me voir. Tu sais, je suis plus aussi beau que j'étais. On a tous les deux vu ton biomarqueur. Tu me trouveras pas à temps. Eh, non, moi je suis Tigidou, regardez ça là. Ok, vous avez des points de compétences non utilisées, mais... Oh, thank you, non. Voilà, j'ai un bonhomme à aller chercher, à aller tuer. Où es-tu, Akon? Tu ne peux pas... Hey, what the hell? Ah, ok, je pourrais prendre quelque chose, mais...
Où es-tu? Fouiller l'église à la recherche d'Akon. Il est sûrement tout en haut. Hein, il peut pas rester au même endroit. Comment, à longueur de journée, c'est impossible. Pas par là? Ok. Je trouvais un médicament que je peux utiliser, mais... It's fine! Ok, est-ce que c'est moi ou je le vois pas? Akon, chérie, où es-tu? Ah, t'es là! Non, what? Là-dedans, peut-être? Ok! T'as réussi à t'enfuir ou quelque chose, là, ou... En haut, là-bas? Vous croyez? Quoi? Ok, c'est bon. Attendez. Oh, je peux le faire! Oh my god! Oh, ouvrir. Combien de personnes t'as trahi, Akon? Cillian, Franck, Lawan? Pourquoi tu l'as trahi? Franck t'a parlé de la station de télévision. Il t'a dit que je m'étais dégonflé. Eh ben, il avait tort. C'était une mission suicide. Et Lawan, pourquoi tu l'as quitté? Quoi? Comment t'es au courant de ça? Réponds simplement à la question. J'ai fait un pacte avec le diable. Et elle avait ses propres démons à gérer. Mais de quoi tu parles? Je suis parti pour la protéger. Si j'étais resté, Waltz l'aurait fait tuer. Alors pourquoi t'as bossé avec lui? Pourquoi t'as trahi Franck? C'est pas le cas. J'ai pas trahi Franck. J'essayais de régler les choses. Après la station de télévision, j'avais prévu d'espionner Waltz. Mais il a eu des doutes. Il a menacé de tuer Lawan. Et maintenant, c'est trop tard. Oh! Haha! Je suis encore vivant! Je croyais qu'on allait parler! Tranquille, relax! On considère ça comme un divorce! Non! Je veux pas divorcer avec toi, God! Oh my god! Tu avais été pas présent, mais... Oh my god, yo, vous avez vu son coup là? Il m'a presque one-shot! Holy god, Jesus! Ok, Hop, hop! Ok. Putain de monstre! Tu parles de toi? Oh! Wow! Yo, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis ma garde comme ça, j'ai essayé de me protéger, puis... Mon bonhomme, tout d'un coup, il a décidé de juste baisser la garde. Ok. Non, je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Une chose que j'ai pas utilisé de trucs pour me régénérer les vies, hein. Akon! I'm coming! Attendez, regardez ça, il sait pas que je suis là. Va crever plus loin! Ok, voilà. Tranquille. Oh! Tu vas mourir, gamin! Tu parles de toi, Akon? Oh! C'est ce que tu récoltes, gamin. T'es en train de parler de toi-même, là. J'ai utilisé tes 9 vies, Aiden. Si je pouvais lancer une cocktail molotov sur toi, je le ferais depuis longtemps en ce moment même. J'ai essayé d'éviter ça. Faut t'abattre, gamin. Hey, dude, come on. Attends, les pieds. Vise les pieds. Vise les pieds. Regardez. Je vais en finir avec toi, Aiden. Il peut seulement protéger par le haut, alors si je vise les pieds... Utilisez tes 9 vies, Aiden. Oh my god. T'es quoi, putain? Hey, j'ai fait une esquive. Qu'est-ce que t'es devenu? Un monstre. Considère... Une autre attaque? Tu vas mourir, gamin. Oh! Yo, ça me tente tellement pas. Oh my god, j'ai essayé de kicker son kunai. T'es quoi, putain? Je suis un humain. Mais toi, putain, c'est toi. Toi, t'es quoi? Regarde combien de couches t'es foutu dans la tête et t'es encore vivant. Finir avec toi, Aiden. Comment ça, tu peux marcher, parler comme si de rien n'était? Oh my Jesus. Considère ça comme un divorce. T'as dit ça combien de fois, mon frère, là? C'est ce que tu récoltes, gars. Tu vas remplir les papiers? Montre-moi les papiers, montre-moi que t'es... Monstre. Oh, sérieux? Oh! Akon! Je suis désolé, Akon. Je voulais pas ça. Franck, c'est Aiden. Akon est mort. Oh, merde, non. Je savais.
arriverait. Bon, reviens au Fisheye. J'ai entendu de nouveaux trucs à propos de Waltz. Il se rend au vieux Vildor. La personne qu'il a retrouvée est un médecin du GRE. Est-ce que c'est lié à la base de données ? Oui. Et je pense connaître la personne après laquelle il est. J'essaierai d'utiliser la radio pour la joindre en premier. Ok. Les amis, oh my god. Je t'ai mon mal au cœur, man. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. On était supposés habiter ensemble au bord de la plage. Vivez une belle vie, tranquille, relax. Ah, mon frère. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Pour la plaque, thank you very much, open this support to amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.